et bienvenue dans ce nouvel épisode de Calling All Devs. Commençons tout de suite avec les questions de la semaine et un premier appel vers John Crew. La question concerne le freelancer Max. En effet, sur les artworks, le Max possède 4 moteurs, mais sur la matrice du site, il n'en possède plus que 2. La question est donc la suivante. Est-ce une erreur de la matrice ou est-ce que le Max n'aura plus que 2 moteurs? John nous répond qu'effectivement, c'est une erreur de la matrice. Mais le Max ne doit sortir que plus tard cette année. Il n'est donc pas exclu que pour une raison technique ou de gameplay, il ne perde pas effectivement 2 moteurs. Le but du Max étant d'être plus puissant, cela peut passer par 2 plus gros moteurs plutôt qu'un plus grand nombre. Donc même si la réponse n'est pas définitive, leur intention n'est pas de réduire le nombre de moteurs à 2 volontairement. La question suivante est posée à Matt Sherman à propos du Cutlass. Sera-t-il possible de piloter depuis le siège arrière du cockpit? La réponse est immédiate, c'est un non. Matt nous explique que le cockpit n'a pas été designé pour cela. Le copilote ne possède par exemple pas de joystick de commande sur son siège. De plus, les différents écrans ne sont pas prévus pour cela non plus. C'est donc pas quelque chose que l'on verra dans le Cutlass, ni dans d'autres vaisseaux de manière générale. S'il n'y a pas de joystick, vous ne pouvez pas piloter. Passons donc à la troisième question, Rob Reiniger. Cela sera-t-il possible d'avoir des appartements dans des villes, comme par exemple avec la ville géante de Harcourt? La réponse est mitigée. Il n'y a pas d'appartement prévu pour l'instant, mais ils souhaiteraient permettre la location de chambres à la semaine ou au mois en échange de crédit. C'est quelque chose qui pourrait ressembler à un appartement, mais vous ne serez pas propriétaire. Ils sont conscients que les joueurs et les guildes trouvent tout cela important, mais ils doivent d'abord construire les bases du jeu avant de pouvoir permettre ce genre de choses. Suite à un problème technique, les vidéos des 2 dernières questions ne sont pas disponibles, mais elles ont tout de même été intégrées sous forme audio uniquement. La première est pour Luke Davis. À part la liste prévue de la roadmap, quel autre vaisseau risque d'avoir une refonte? Derrière les vaisseaux qui sont prévus et qui mériteraient une refonte, viendraient uniquement le M50, le Buggy et le Merlin, sur lesquels des retouches pourraient être faites. Rien de très gros, mais plus une petite mise à jour, comme par exemple la revisite du Hornet. Mais ce n'est pas quelque chose de programmé, ce sont uniquement les vaisseaux qui pourraient être envisagés, mais qui ne le nécessitent pas forcément. Enfin vient la dernière question de la semaine, pour Matt Intrieri. Quel est le statut de la décompression? Est-elle toujours prévue dans le futur? La réponse est oui. Le système de décompression est toujours prévu. Seulement il souhaite travailler un peu plus longtemps sur ce système, car il n'impactera pas seulement les vaisseaux, mais également l'environnement proche. Et ils ont quelques inquiétudes sur l'impact que cela pourrait avoir. Il est donc préférable pour eux de prendre un peu plus de temps sur cette feature, afin de s'assurer que tout fonctionne comme ils l'espèrent. Voilà donc pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle traduction.